Hey, salut les gars. Vous voyez, je suis assis sur un truc bizarre. J'ai fait une extension à ma rampe. Bah, en fait, dans la région où j'habite, il n'y a pas beaucoup de spine. Bah, j'aime bien faire des hovers quelque chose, donc me caler derrière. Bon, le problème, c'est qu'on n'a pas de courbe comme ça. Donc, ce que j'ai fait, je m'en suis fabriqué une. Donc, je vais le tester. Je vais nettoyer un peu la rampe parce que je viens de monter dessus et je viens de marcher dans la flotte dehors. Mais je vais m'échauffer et je vous fais une vidéo. À toutes. Du coup, on va commencer par la base. Je vais essayer de faire un double pex déjà, voir si ça marche. Ok, c'est pas mal. L'espèce de plaque rouge qu'il y a dessus, c'est une plaque en métal que j'ai mis pour pouvoir faire continuer la courbe parce que c'est des bouts de bois. Et j'ai mis l'espèce de cornière en métal pour pouvoir faire une courbure à peu près bien. Et franchement, eh ben, je suis étonné, je m'attendais pas à ce que ça soit aussi bien. C'est full jam. Bon bah du coup, c'est le moment d'essayer de se caler derrière. Donc en fait, ce que je vais faire, je vais essayer de me caler à l'arrière de la courbe. C'est-à-dire... là. Je sais pas comment pour l'instant. Je vais faire overfeeble. Je suis pas sûr que ça marche. On va bien voir. Yes, overfeeble, ça marche. Bon, je vais revenir du bon côté. Je vais faire Fufanuku Heights. Et un petit toothpick derrière, pour le plaisir. Je vais monter, caler en ice, et repartir dans la courbe. Donc, over, ice, over. Oh, on a pas aimé. Quand je vous ai dit que c'était à l'arrache, ça bouge. C'est pas très bien calé, mais bon, ça passe. C'était calé, mais c'était à l'arrache. Allez. Yeah! Cool. Bon, ça c'est fait. Je vais essayer High Speed tout bas. Bon, je vais en refaire un. Déjà, ça a tourné, c'est bien. Donc du coup, c'est un ice pick tout au bar. Je sais pas pourquoi, mais je fais des au bar quand je sors de mes ice. Bon. C'était un peu gapé, j'avoue, j'ai atterri bas dans la courbe. Bon, c'est rentré quand même. Qu'est-ce que je pourrais essayer? Je vais essayer full jam whip dessus. Yo, c'est de faire quelques trucs en air dessus, voir comment ça envoie. Envoie chelou. Vous avez pas des idées à me donner, hein, des idées de tricks, vous derrière votre écran, qu'est-ce que je pourrais faire? Ben, je vais essayer de faire, parce qu'il y a des gamins qui me demandent « ouais, t'arriverais à faire flair dans ma rampe ?» Oui, j'en fais. C'est juste que c'est une rampe faite pour faire du coping, donc la plupart du temps quand je suis dedans, je fais du coping. Mais après, je sais faire des tricks aussi en air. Je fais whip, si ça rentre, je fais flair. Bon, j'étais à plat pour le flair, mais bon, j'en ai fait un, c'est déjà bien. Bon voilà, c'était
une session sur un nouveau module, fait à l'arrache. C'était pour vous montrer que il suffit d'avoir une idée et te dire, tiens, pourquoi je ne mettrais pas une barre de bois en haut de la rampe pourrie que j'ai pour la rehausser? Ça peut marcher. Bon, bref, à la prochaine, les mecs, et bon ride.